Aujourd'hui, j'ai des choses qui me mettent en joie à faire. Rien de foufou non plus, hein. Je vais pas aux Maldives, n'est-ce pas? Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis maquillée très légèrement. Vous avez peut-être remarqué full de boutons. On remercie le gluten. En fait, j'ai mes lunes en ce moment. Et quand j'ai mes lunes, j'ai une faim majorée. Et donc, du coup, là, j'ai... Bon, on peut le dire, j'ai clairement abusé sur le gluten. J'en ai mangé le week-end dernier parce que là nous sommes mardi. Donc j'en ai mangé le week-end. Oui, c'est ça. J'en ai mangé vendredi, j'en ai mangé samedi, j'en ai mangé dimanche et j'en ai mangé lundi. Mon Dieu. Alors que là, ça faisait quand même quelques semaines que j'en avais pas mangé. Donc autant vous dire que ma peau me l'a bien fait. Remarquez, surtout au niveau du front, au niveau du joue, ça se voit pas trop parce que je suis maquillée et le menton quoi. Donc bon, c'est cool parce que maintenant je sais ce qui m'occasionne mes boutons. De toute manière, j'ai prévu de vous faire une vidéo hein, sur mon acné, depuis quand, tout ce que j'ai essayé, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc voilà. Je vais vous partager également une petite citation que j'ai trouvée très jolie de mon petit calendrier Flo. Donc nous sommes le 9 février. Le succès est de vous aimer, d'aimer ce que vous faites et d'aimer la façon dont vous le faites. Ça c'est un joli mantra. Donc de Maya Angelou. Donc ce matin j'ai passé quelques coups de fil, il faut que j'en repasse parce que vous-même vous savez les administrations. Voilà, rien de ouf. Je vais manger parce que du coup, quand j'ai mes lunes, comme je vous disais, j'ai l'impression d'être enceinte. J'ai faim tout le temps. Donc je vais manger. Je me suis préparée deux bananes. Je vais peut-être en manger trois, je verrai. Il faut que je prenne mon complément alimentaire. Alors, voilà la bête, attention. C'est lourd. Je me suis offert de l'eau de mer de la marque Eau de Vie, donc en hypertonique. Alors, l'eau de mer, pour vous faire un petit topo, peut-être vous poser quelque part. Donc, l'eau de mer a été découverte par René Quinton, qui était un Français cocorico, qui est né au 19e siècle. Et en fait, il s'est rendu compte que l'eau de mer avait plus ou moins la même concentration que le plasma sanguin. Donc, en fait, dans l'eau de mer, on retrouve tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Si vous vous rappelez un petit peu vos cours de physique chimie avec les électrons, les protons, les neutrons, patati patata.
Donc elle existe sous deux formes, en hypertonique ou en isotonique. L'hypertonique, c'est celle qu'on trouve naturellement dans la mer, et l'isotonique, c'est celle qui est ramenée aux mêmes concentrations que le plasma sanguin. Donc elle est diluée avec de l'eau de source et pas de l'eau minérale. Justement, pourquoi? Parce que dans cette eau de mer, donc comme vous le voyez, hein, c'est pas une eau de mer de Palavas et Flot toute verte crado. C'est une eau qui est récupérée à certains endroits dans le monde où il y a des vortex. Et elle a l'avantage en fait d'être très très riche du coup en minéraux. Donc c'est pourquoi ils ne mettent pas de l'eau minérale. Parce que les minéraux dans les eaux minérales sont sous forme non assimilable, inorganique du coup. Tandis que ces minéraux-là sont assimilables par l'organisme. Donc ce serait couillon de rajouter des minéraux non assimilables. Donc quoi vous dire d'autre? Jusqu'en 1975, l'eau de mer se trouvait dans le Vidal. Donc ça montre bien l'efficacité de ce produit. Non pas que Vidal soit... comment expliquer ça? Que ce soit la vérité absolue, hein. Il y a plein de choses qui n'y sont pas et qui fonctionnent quand même. Mais bon, ça montre bien que ça a été enlevé après 1975. Conflit d'intérêts, labo, c'est pas à moi de vous dire quoi penser. Vous pensez bien par vous-même. Mais moi j'ai ma petite opinion. Et en fait c'était préconisé pour plein de symptômes. Asthénie, cachexie. Les vomissements, psoriasis, eczéma, pour les prématurés, enfin, top. Donc en fait, ça va venir reminéraliser l'organisme, donc du coup, ça va venir désacidifier, ça a vraiment plein de vertus sur tous les plans physiques de l'organisme. Ça fait un peu plus d'une semaine que je le prends, donc avec, j'ai acheté un verre doseur pour faire la dilution vu qu'il est hypertonique, comme ça j'avais pas besoin de peser, j'ai fait ma petite flemmarde, mais au moins comme ça je l'ai. Alors pourquoi je l'ai pris en hypertonique et pas en isotonique? Parce qu'en isotonique on a simplement à le prendre directement, on n'a pas à faire la dilution. Parce que celui-ci, bonne question en fait, pourquoi je l'ai pas pris en isotonique? En tout cas, toujours est-il que cette marque là à une eau de mer qui est très riche en minéraux, c'est-à-dire qu'au lieu de diluer, généralement on dilue une dose pour une dose d'eau, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, on dilue une dose d'eau de mer avec une dose d'eau de source. Celui-ci, il est tellement concentré, enfin celle-ci est tellement concentrée en minéraux qu'il faut diluer une dose pour deux doses d'eau minérale. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois je prendrai en eau isotonique, hein, d'autres je vais y arriver. Surtout que ben eux ils utilisent de l'eau de source de qualité quoi. Alors que moi, bon, même si on utilise les perles de céramique, ça reste de l'eau avec plein de cochonneries dedans. Donc voilà, la prochaine fois je prendrai sûrement en isotonique. Donc je rebondis, ça fait quelques semaines que je le prends. Quelques jours que je le prends, une semaine. Putain, c'est compliqué. Et j'ai vu quelques effets. En fait moi je l'ai pris principalement pour ma frilosité. Parce qu'en fait en naturopathie on travaille avec des constitutions. Donc il y a des constitutions... homéopathiques, naturopathiques, hippocratiques. Après on a des tempéraments, enfin bref. Et donc la constitution hippocratique, en fait, ça permet de catégoriser vulgairement et grossièrement les individus dans plus ou moins certaines catégories, en sachant qu'on a les quatre constitutions, mais qu'il y en a une ou deux qui sont plus fortes. Donc on a les nerveux, les bilieux, les sanguins et les lymphatiques. Moi, je suis bilieuse, nerveuse, et en fait, les nerveux, principalement, ce sont les personnes qui vont être pâles, qui vont être longilignes, avec des grandes articulations assez noueuses, qui sont introverties, qui sont sujets à la frilosité, qui sont du coup sujets également à l'acidification, parce qu'ils sont tout le temps dans leur tête et que le système nerveux est très très gourmand en minéraux. Et donc, je l'ai pris pour la frilosité. Et en fait, je suis assez étonnée parce que bon, là, si vous touchez mes mains et mes pieds et mon bout du nez, j'ai les mains froides.
C'est une caractéristique. Mon grand-père dit que j'ai du sang de navet. Voilà. Et été comme hiver, c'est pareil. Par contre, j'ai remarqué que fin d'après-midi, enfin milieu, fin d'après-midi et soirée, j'ai les mains chaudes. Chose qui m'arrivait jamais, à part quand je sortais d'un bain, quoi. Enfin, donc au moins je vois les effets. Ce pourquoi je vous disais dans la vidéo, j'en viens en bref, que je ne voulais pas commencer en même temps le complément. On veut une routine détox d'atelier Nubio, parce que je préfère me focaliser d'abord sur celui-ci et observer les différentes évolutions sur mon organisme. Donc vraiment, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de faire ça dans les vidéos. Vraiment, je suis bien contente, et puis affaire à suivre du coup. Alors, ce qui est intéressant et important de faire, c'est de le laisser un petit peu dans sa bouche pour qu'il y ait une absorption sublinguale. Donc là, pour l'instant, je prends 2 cuillères à soupe tous les matins à jeun pour voir un peu comment mon organisme gère la chose. Et puis après, j'augmenterai les doses, mais bon, voilà. Qui va doucement, va sûrement. Je vais m'atteler à manger mes bananes et je vais regarder en même temps une vidéo sur l'oxygénation. Je passe en fait ma dernière évaluation de ma formation de conseillère en hygiène vitale et méthode de détoxination la semaine prochaine. Donc je ne me contente pas uniquement de mes cours, je vais fouiller un petit peu partout. Donc là, je vais voir si cette vidéo peut m'apporter certaines informations. Parce que le corps et notamment les cellules ont besoin de nutriments et d'oxygène pour fonctionner. Donc on peut très bien avoir de très bons et beaux nutriments à apporter à notre organisme. Si on est carencé du coup en oxygène, ce qui est souvent le cas en fait à l'heure actuelle, parce qu'on est en dyspnée, on respire pas très bien, on a des respirations qui ne sont pas assez profondes, donc du coup le sang n'est pas bien oxygéné. Donc l'oxygène, vous allez forcément le trouver dans les aliments qui vont être crus et vivants, mais également dans l'air, quoi. Et donc faut en profiter, parce que c'est quand même un besoin à l'heure actuelle. C'est le seul en fait qui est gratuit, hein, parce que l'eau faut la payer et la nourriture également. Donc voilà, donc respirons. Je vous dis pas que je suis mieux que tout le monde, hein. Moi aussi je respire pas comme il le faudrait, mais voilà, petit à petit, faut pas s'autoflageller, il faut faire de son mieux, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que la pleine conscience et surtout la cohérence cardiaque permettent vraiment d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes, et déjà ça, de le faire pendant 5 minutes 3 fois par jour, c'est top. Je le fais pas, clairement, mais lorsque je me rends compte que je respire pas vraiment au niveau ventral mais plus thoracique, ben je me concentre dessus, je fais de grandes inspirations, et ne serait-ce que quand on fait ça, ben effectivement on voit le bénéfice, ne serait-ce qu'en quelques secondes. Donc voilà, j'espère que la vidéo va m'apprendre de nouvelles choses. Bon, du coup, j'ai pas terminé la vidéo qui est très intéressante. Complémentaire de mon cours, il y a certaines choses forcément qui se rejoignent, mais vraiment j'ai appris notamment la marche afghane, je sais pas si vous connaissez. C'est le fait d'inspirer sur 4 pas, ensuite de faire un pas en apnée, d'expirer sur 4 pas, de faire un pas en apnée, etc. etc. J'ai essayé et franchement ça permet en fait de poser ses mouvements sur la respiration et non de caler sa respiration sur les mouvements comme on peut très souvent le faire lors d'activités physiques. Et puis elle a bien sûr parlé de la cohérence cardiaque, ce que je vous disais juste avant, donc le fait d'inspirer sur 5 secondes, vous pouvez vous imaginer que c'est une respiration en barre, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Donc vous prenez une barre, voilà. Donc vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes. Vous faites ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ils disent que c'est la respiration aussi 365. Donc 3 minutes par, 3 fois par jour,
5 minutes, 6 respirations. Parce qu'en fait, inspiration, expiration, donc 5 secondes, ça fait 10 secondes, fois 6, ça fait 1 minute. Et donc, on a 6 cycles par minute. Je sais pas si du coup, la respiration par 365, c'est pas bien clair. Mais voilà. La cohérence cardiaque, on a ici la respiration en carré. Donc, vous inspirez, vous retenez, vous expirez, vous retenez. Par rapport au nombre de secondes, c'est individuel, propre à chacun. Et si par exemple je vous dis de faire 5 secondes mais que du coup vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas une bonne technique. Donc vous inspirez, vous retenez du coup le nombre de secondes qui est confortable pour vous. Vous avez également la respiration en triangle, donc avec la base parallèle au sol. Donc vous inspirez, vous expirez et vous retenez. Et généralement il est bien d'expirer un peu plus longtemps que l'expiration, parce qu'en fait au niveau de l'organisme on a le système nerveux sympathique et parasympathique. Sympathique, c'est celui qui est dans la lutte, le conflit, l'action, le mouvement, et le parasympathique c'est l'inverse, donc le repos, le calme, la régénération, la réparation. Et donc la respiration est régie en fait par ces deux systèmes nerveux. Donc l'inspiration c'est le système nerveux sympathique, donc de l'action, et l'expiration c'est parasympathique. Et on est souvent dans le sympathique H24, limite on est tout le temps dans le mouvement, mais on n'est jamais dans le repos. Et on le voit aussi au niveau de l'alimentation, on est tout le temps en train de manger, mais on ne fait jamais de repos, si ce n'est la nuit, parce que c'est forcé. Et encore il y a des personnes qui se réveillent aussi la nuit pour manger. Donc on inspire, on expire, on retient, et vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire la base parallèle au mur ou au ciel, enfin au plafond ou au ciel. Et donc vous inspirez, vous retenez et vous expirez. Et donc ces deux respirations, celle où la base est parallèle au sol, ça va être une respiration qui va être purifiante, un peu comme le soupir. Pourquoi ? Vous inspirez, vous expirez et vous retenez les poumons vides. Et en fait le soupir c'est une respiration purifiante, parce qu'on soupire généralement quand on est en colère, quand on est impatient, quand on s'ennuie, voilà. Et en fait c'est un automatisme qui nous permet vraiment d'évacuer en fait tout ce qu'on ne veut plus. Contrairement au bâillement qui lui est une respiration énergisante, on bâille très souvent quand on est fatigué. Et donc le bâillement c'est vraiment le fait de récupérer un maximum d'oxygène qui va venir avec les nutriments permettre la fabrication d'énergie. C'est pour ça qu'on parle de respiration énergisante. Donc voilà, vous avez la respiration en barre, en triangle, en carré, vous avez également la respiration alternée qui est pratiquée en Ayurveda avec le yoga. C'est le fait de mettre son index et son majeur sur la paume, et en fait de se boucher une narine, d'inspirer et d'expirer de l'autre côté, et ça de faire de manière alternée. Vous avez également la méthode Wim Hof, donc en fait il y a vraiment plein de techniques. Elle a parlé également d'un spray qui va venir entre guillemets, grosses guillemets, remplacer les ioniseurs qu'on peut mettre dans sa maison. C'est un petit spray, je pense le faire d'ailleurs, je le ferai peut-être tout à l'heure si j'y pense. Donc c'est mettre de l'eau et huile essentielle de cèdre ou de citron diluée dans de l'alcool ou du bicarbonate. Donc n'ayant pas d'alcool, je vais le faire dans du bicarbonate, et du coup de sprayer ça un petit peu dans la maison. Elle parlait également le fait de faire attention à tous les combustibles qu'on peut avoir dans la maison, les sprays d'ambiance, les bougies, donc ça c'est sûr que faut y faire gaffe. Genre Yankee Candle, on évite. Moi je me rappelle en avoir acheté quand j'étais enceinte, mais voilà, j'étais pas sensibilisée à tout ça. Le fait également d'aérer, nous tous les matins on aère les chambres, tout du moins 10 minutes à peu près, donc après on se les pèle dedans, mais voilà, c'est une habitude qu'on a prise quoi. Sinon je suis allée récupérer un colis, c'est la BD en fait que je me suis offerte d'occasion, dont je vous parlais dans ma vidéo janvier en bref. Donc on va découvrir ça ensemble, je suis trop contente. Elle est super bien emballée, elle risquait pas de s'abîmer. En plus je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, parce qu'en fait le livre est abîmé.
pourquoi ça reste une énigme en fait pour celle qui me l'a vendue, parce qu'elle l'a acheté également d'occasion. Donc en fait la BD elle est déjà dans les mains de 3 propriétaires. Et en fait c'est qu'elle a abîmé ici. Donc moi ça m'embête pas trop parce que les pages se tiennent encore. Donc en fait initialement la BD était au prix de 19,95€. Je l'ai payé 4€. Bon, en rajoutant les frais de port du coup ça me l'a fait à 8€. Donc c'est Le silence des étoiles de Sanaka. Et c'est une grosse BD. J'adore les grosses BD. On est à 254 pages. Même nombre de pages que Ne m'oublie pas. Et donc c'est l'histoire en fait d'une du premier amour, de l'amitié. Trop cool, je suis trop contente. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose dont je suis trop contente. Cet après-midi, je vais m'inscrire à la médiathèque de ma ville. On a une médiathèque et 2 bibliothèques. Et en fait, c'est une abonnée sous ma vidéo, là, j'en viens en bref, qui me disait « Mais t'as pas une médiathèque pour les BD, pour faire des économies ?» En fait, j'y ai pas pensé. C'est vrai que j'étais abonnée... lorsque j'étais au lycée et puis après aussi, quand j'étais enceinte, je me souviens. Mon fils a une carte mais pour lui c'est gratuit. Et puis j'y ai pas pensé non plus parce qu'en fait maintenant tous les endroits, c'est-à-dire presque quasiment tous, tous les endroits où il faut le masque, je les fuis comme la peste. Hein. Ceux qui savent, savent. Et en fait c'est pourquoi je me suis pas dit tiens bon, et puis là je me suis dit ça va quand même me permettre de faire de sacrées économies parce que là financièrement je vais pas pouvoir m'offrir de livres. Donc voilà, je suis trop contente en fait, cet après-midi je vais prendre un abonnement. Et en plus ce qui est génial c'est qu'hier j'ai regardé sur le site et il y a full de BD que j'ai repéré qu'ils ont. Truc de dingue parce qu'en plus on est une petite ville, donc imaginez mon état. Et en fait il y a quelques jours j'ai téléchargé l'application Classbook et dedans c'est super bien fait. Alors vous verrez peut-être pas grand chose, peut-être que je ferai un plan d'insert. On a la bibliothèque, donc si on veut screener en fait l'ISBN de ses livres pour avoir tous les livres de sa bibliothèque histoire de pas racheter en double. On a également un petit onglet souhait. Donc là j'en ai pas mal et franchement je suis trop contente parce qu'il y en a plein qui sont là-bas. Il y en a 11 qui sont déjà à la bibliothèque, donc je pense que cet après-midi je vais revenir avec un sac de 10 kilos de BD. De toute manière je vous montrerai ça et ouais, bref je m'enjaille toute seule. Donc on a la liste des souhaits et on a également un petit onglet prêt, ce qui je trouve est très intéressant. Parce que moi je le notais dans mes notes en fait, près de tel livre à telle personne. Mais là au moins tout est répertorié ici. Et ouais, application fort sympathique je trouve parce que généralement je me fais des enregistrements sur Instagram. Avec les petits onglets, donc moi je me suis fait une catégorie livres à acheter et à lire. Ou sinon je fais des screens. Et donc là en fait de tout avoir ici et d'avoir mes souhaits, ça peut être pas mal aussi pour les personnes qui, je sais pas moi, pour un anniversaire souhaitent vous offrir quelque chose, vous lui dites des livres, vous lui envoyez la liste des livres et comme ça vous êtes sûr, la personne est sûre de vous faire plaisir et vous êtes sûr d'apprécier le livre. Voilà, je m'en vais manger et puis après on dépose le fiston à l'école et on va à la médiathèque. Heures après, c'est un peu la course, je ne vous le cache pas. Je sais pas exactement quelle heure il est. 17h30. Bon, l'heure est grave. Aujourd'hui, c'était vraiment la journée livre et BD parce que j'ai reçu ma BD ce matin. Là, j'ai récupéré plein de BD et ma librairie m'a informé que mon livre commandé était arrivé. Donc, autant vous dire que je suis ravie. Je n'ai pas compté le nombre de BD que j'ai emprunté. Et mon dieu, je vais les compter. J'ai emprunté 12 BD, un livre,
et j'ai un livre à vous présenter. Et là, en fait, j'ai envie de vous les montrer brièvement, donc vous inquiétez pas, je peux vous faire le topo, l'histoire et tout et tout. Mais j'ai quand même envie de vous montrer les livres, enfin les BD plutôt, que j'ai empruntés. Donc prévoyez-vous la petite boisson chaude et puis le petit plaid, parce qu'à mon avis, il va y en avoir pour quelques minutes tout de même. Donc il y en a que j'avais repéré et d'autres pas du tout. Donc, par exemple, un que j'avais repéré, c'est 1, 2, 3, La fille dans l'écran, aux éditions Marabout. Je vais pas vous dire les auteurs parce que sinon ça va être vraiment très long. Donc Colline vit en France et rêve de devenir illustratrice. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante. Un job alimentaire, un amoureux québécois, trois petits points. Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre. C'est de... Je crois qu'elles vont tomber amoureuses. Donc voilà. Après, au niveau des illustrations, on n'est pas sur quelque chose de très très coloré. Mais, enfin, vous voyez... En fait, là encore, c'est comme... tout va bien, enfin, ça va aller. Où il y avait le passé qui était en bleu marine et le présent en couleur vive. Mais là, je crois que c'est la québécoise qui est en foncé et l'autre en couleur. Donc... Voilà, ne serait-ce que ça, 17,95. Là, deux autres. Celui-ci, je crois que je l'avais déjà vu passer. Donc, celui-là, il n'était pas du tout dans ma liste. Donc, c'est Guerilla Green aux éditions. Aux éditions, j'arrive pas à lire parce que l'étiquette est devant. Steiner, je sais pas. Donc, guide de survie végétale en milieu urbain. Alors même que nos villes regorgent d'espaces non exploités, aucun fruit ou légume n'y pousse, armés de râteaux, graines et arrosoirs, c'est là qu'intervient la Guerilla Green. Les activistes non violents issus de ce mouvement prônent un jardinage politique. Il n'est pas seulement question de fleurir les balcons, mais aussi de se réapproprier l'espace urbain, de recréer du lien social et de renouer avec l'autonomie. Il a l'air chouette celui-ci. Donc là on est plus sur des, je trouve, des dessins un peu... enfantin, je dirais. C'est je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas délicat, en fait. C'est grossier. Et donc l'édition, c'est Stan Kiss. Voilà, mais je pense que le sujet va me plaire. Ensuite, l'obsolescence programmée de nos sentiments, aux éditions d'Argo. Le corps se résigne plus vite que l'âme. Le temps le ride, l'injurie l'humilie. Il fait avec le corps, beau joueur. L'esprit, lui, est mauvais perdant. Il ne conçoit que par à-coup, par révélation douloureuse, par effroi successif. Donc là, par contre, on est, je trouve, sur ce que je me faisais de la BD au niveau du dessin. Et là, c'est, il y a quelques couleurs, mais c'est pas non plus... Vous voyez, c'est assez dark, je trouve. Donc... on verra. Dans certains livres, il y a des passages un peu... Toi-même, tu sais. Ensuite, une passion impressionniste aux éditions Glénat. Donc celui-ci, c'est avec Monet, en fait. Si je me trompe pas. Berthe Morisot, peintre en devenir, rencontre le sulfureux Édouard Manet. Manet. Mes cours de... Comment ça s'appelait? Au collège, là. Art plastique, ouais. Sont loin. Donc, elle est impressionnée par son charisme et sa vision de l'art. Il est séduit par son intelligence et sa beauté. Véritable alter ego, ils ne cesseront de s'influencer mutuellement. Donc là, au niveau des dessins, ça se présente comme ceci. Beaucoup de couleurs vives non plus. Donc voilà, celui-ci je l'avais repéré. Ensuite, un autre aussi que j'avais repéré, il est en par deux. Un petit livre oublié sur un banc aux éditions Angle, je crois. Et donc c'est l'histoire d'un petit livre qui est oublié. Et en fait, la fille, quand elle va le
le prana, elle va se rendre compte que certaines lettres sont entourées, que ça fait des mots, et en fait voilà, c'est une rencontre comme ça à travers un livre. Donc au niveau graphisme, ça se présente comme ceci. Donc voilà, je pense qu'il va être cool, et donc c'est en deux tomes. Là, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Becca. C'est un peu le même univers que je trouve. D'ailleurs, ils l'ont fait en BD. Ta vie commence lorsque tu comprends. Non. Si, lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je m'étais acheté le roman. Et je pense que je lirai la BD un de ces quatre. Donc, le premier, c'est le jour où le bus est reparti sans elle. Et c'est un peu des. Du coup, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu un roman initiatique. Et ben là, c'est sous forme de BD. Donc là, Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir. Des rencontres insolites, une histoire de sagesse, qui sait si Clémence n'a tout simplement pas trouvé son chemin vers le bonheur. Et j'aime bien le graphisme de celui-ci. C'est tellement plus facile de faire des close-up et plans d'insert pour vous montrer, mais sinon ça va me prendre trop de temps à la bonne franquette. Et donc le tome 2, le jour où elle a pris son envol, et je vais pas le lire parce que même moi ça va me spoiler un petit peu là, par exemple depuis sa rencontre avec Antoine. Bon, hein, moi je vais me laisser le plaisir de découvrir l'histoire. Et il y en a 5. Il y a 5 volumes. Donc ceux-là, je les avais repérés. Celui-ci, je l'avais repéré en faisant mes recherches, mais je ne l'avais pas mis dans ma wishlist. Il se nomme Appelez-moi Nathan aux éditions Paillot Graphique. Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à tout le monde qu'elle est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être possible. Devenir il. Aux yeux de tous, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même va être son combat. On n'imagine pas comment l'imaginer, ce qu'une telle décision représente, ce qu'il faut de bravoure, de ténacité pour y parvenir. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et donc à l'intérieur j'aime bien le... Bon, je vous dis ça depuis tout à l'heure, mais... Au moins on voit qu'il y a différents graphismes et c'est cool, c'est pas tous les mêmes. Ça me rappelle un peu celui de Le silence des étoiles dont je vous ai montré un peu ce matin. Et quand je vous dis qu'il y a des passages, je suis pas une mytho. Alors celui-ci, il a l'air cool. Balade, aux éditions Grand Angle. Donc suite à une déconvenue sentimentale, Louis, post-ado de très bonne famille, décide de prendre du recul dans une des maisons secondaires de ses parents. Palassablement aviné, il accueille à bras ouverts Francis, cambrioleur qui passait par là. Et quand le premier propose de se lancer dans la tournée des villas désertées des richissimes amis de ses parents, le second a du mal à refuser. De la Normandie à la Côte d'Azur, entre effraction et squat de piscine, ils vont vivre un été inoubliable. Je trouve ça trop cool. Enfin, pas cool pour les autres. Et en fait, à chaque arrivée dans une ville, on a une page comme ça. Et après... Donc là, on a Saint-Rémy-de-Provence. Et au niveau du graphisme, ça se présente comme ceci. Voilà. On arrive à la fin. Il n'en reste plus que 3 BD. Donc Balade, je ne l'avais pas du tout dans ma wishlist. Et ceux-là, je suis allée les chercher dans une des 2 bibliothèques. On a une médiathèque et 2 bibliothèques. Ce qui est cool, c'est que ça va me permettre aussi d'aller découvrir l'autre bibliothèque dans laquelle je ne suis jamais rentrée. Donc, tout d'abord, celui-ci, il est sous 2 tomes. Vous allez rire. Il s'appelle Détox. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc, Détox aux éditions Angle. Mathias d'Augremont bouffe la vie. Parisien ultra connecté, ultra stressé, il vit à 100 à l'heure, il court jusqu'au jour où,
parcours initiatique d'un homme qui va s'inscrire à un stage détox. C'est le récit passionnant d'une décélération, d'un décrassage forcé. C'est l'histoire d'un homme qui retourne à la nature. Mais est-il si simple de se désintoxiquer de la ville? Et que reste-t-il de nous sans l'urgence, sans le trop-plein de tout qui nous remplit de vide? Donc, celui-ci, les images ne m'appellent pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout sur des couleurs, et franchement, c'est pas trop ma came. Mais le sujet me parlait tellement que j'avais envie de le lire, donc voilà, je passe dessus. Et enfin, les deux tomes, donc c'est celui-ci tout d'abord, L'adoption, toujours aux éditions Grand Angle. Et j'aime trop l'histoire. Lorsque Kinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée dans une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame qu'elle a vécu. Lynette se découvre un caractère de mamie gâteau et les amis du couple apprivoisent doucement cette petite qui s'adapte à sa nouvelle vie. Et pour Gabriel, ce sera bien plus compliqué. Il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts distants, au moment partagé, Gabriel et Kinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer. Et les dessins, j'aime bien aussi ce graphisme pour changer. Il n'y a pas foule de discussion, je trouve. Donc ouais, je pense que ça va être chouette. Et puis du coup, il y a donc c'était l'adoption Kinaya et là c'est l'adoption la Guara. Non, la Garua. Je vais pas lire la suite parce que voilà. Je suis spoilée. Et donc c'est la suite de l'histoire. Je galère. Voilà pour les BD. Donc j'ai de quoi faire. Je pense que je vais pas m'attarder dessus là trop cette semaine parce que j'ai mes révisions. Mais dès lundi 10h, je me mets dessus. Et du coup j'ai fait un petit tour dans le rayon cuisine et j'ai emprunté, je suis contente parce que je l'avais déjà feuilleté dans les librairies, mais voilà, je ne l'avais pas acheté. Mais là, du coup, ça va être vraiment l'occasion d'essayer le livre de Cléa, Tout sans gluten, aux éditions La Plage. Donc La Plage, c'est une édition que j'aime beaucoup. Ne serait-ce que là, je tombe sur soupe de nouilles de riz aux épinards et au gingembre, rouleau de printemps, sauce coco cacahuète. Donc ça va être trop chouette, ça va me permettre de tester de nouvelles recettes, des madeleines fleurs d'oranger, aux noisettes. Donc ça va être chouette. Et en plus, vu que ce sont les éditions La Plage, c'est forcément végétarien et parfois végétalien. Donc ça va être trop chouette. Cool. Là par exemple, on a une recette de crêpes, mais ce ne sont pas des crêpes de sarrasin. Dedans, on a... Qu'est-ce qu'on a? Forcément, j'ai pas la recette de la crêpe. Ah, elles sont là, les recettes. Ouh, on en a plein, des recettes de crêpes. Regardez-moi tout ce qu'on a. Ce qui est bien aussi avec les éditions La Plage, c'est que une page n'équivaut pas forcément à une recette. Donc, crêpe de châtaigne à la noisette, crêpe de polenta, crêpe aux légumes cachés, crêpe de pois chiche à la coriandre et les crêpes légères. On a de la farine de riz, fécule de pommes de terre, des œufs, du lait de soja et du sel. Cool, comme ça m'évitera parce que c'est quand qu'on a mangé des crêpes là? Non, c'était hier je crois. Oui, c'était hier qu'on a mangé des crêpes. J'en ai mangé 3, voilà. En plus des 3 autres jours, ça n'a pas loupé. Oh là là, ça va être... Je me réjouis. Et donc, le livre que je suis allée chercher en librairie, je suis trop contente parce que c'est le premier livre que j'achète de cette jeune maison d'édition qui a vu le jour en 2019, fin 2019 je crois, vu que l'année 2020 est passée comme pas possible.
Donc c'est le livre L'hygiène vitale pour votre santé, comprendre et améliorer votre comprendre et améliorer sa santé par l'hygiénisme, alimentation, jeûne, respiration et mouvement aux éditions Exuvie. Et vraiment je suis contente, en fait cette maison a été créée par Fabien Moine qui tient une chaîne YouTube pas mal connue parce que 50 000 abonnés, qui est naturopathe, qui est pédagogue au plus haut point. Et c'est celui-ci que je vais dévorer là cette semaine, je vais piocher parce que du coup ça va pouvoir me refaire des piqûres de rappel. Enfin c'est clairement en fait le sujet de ma formation, donc ça va être chouette. Au niveau du sommaire, si jamais vous voulez voir, enfin écouter plutôt, le véritable sens de la maladie, la santé et l'état normal des êtres vivants, les diverses hygiènes, la toxémie, l'énergie vitale, les techniques de l'hygiène vitale, les symptômes de la maladie aiguë chronique, la vie des cellules de l'organisme humain et l'énervation. Ça va être chouette parce qu'en plus il est pas... je pense qu'il va se lire assez facilement parce qu'on a du coup les petits sous-chapitres là, danger et danger et inefficacité des traitements, le seuil de tolérance toxinique, la réactivité somatique qui est juste là. Donc ça va être des petits chapitres assez courts. Et je vais m'emparer de mon fluo pour ce livre là parce que je pense qu'il va être top. Et je ne vous ai pas dit, il a été écrit par Désiré Mérien, qui est un hygiéniste très connu en France pour qui s'intéresse à l'hygiénisme. Il a écrit énormément de livres, notamment sur le jeûne. Il a accompagné énormément de jeûneurs. Donc trop chouette. Vraiment, je suis ravie. Et bien, voilà. Et ben, je pense que celles qui aiment les livres et les BD devaient être ravies. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que ça vous a plu, en fait, de venir avec moi dans cette journée. Je vous embrasse bien fort. Si jamais vous avez des commentaires, si vous voulez soutenir avec un petit pouce bleu, et ben merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, ben allez-y, lâchez-vous, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.